Bonjour tout le monde, ça va? Vous voyez, là je suis en pluche, corvée des pluches. Ouais, enfin, je vais faire un hachis parmentier ce soir. Il faut éplucher déjà les pommes de terre. Hein. Comme ça, ça sera type de le faire le soir. Ça. On prépare. Oh, ça va vite les éplucher les patates. Ça, elles sont belles, ça va. Hein. Et là, ça va, elles sont belles. Autrement, comment allez-vous, mes cocos? Merde. Tu veux pas être épluché, toi? Ben, tirade dans la barbite. Voilà. Bon, eh ben, je voulais vous dire, hein, ben, moi, ça va un peu mieux, parce que je prends du Flector. Il n'y a que ça qui arrive à me calmer, mais autrement, j'ai toujours mal encore, hein. Bon, alors, surtout, c'est le soir quand je vais au lit, hein, pour me coucher. Oh, je prends mes oreillers, je me mets aux pieds. Voilà, je parle un peu trop fort, ben, ça y est, hein. Ça me fait mal, ça me fait des points. Si je fais trop de mouvements, eh ben, je vais aux pieds, je vais à la tête, je vais un peu partout. Papy qui rompe, je change de place. Alors que je prends beaucoup, hein. Mais c'est emmerdant parce que t'es obligé de rester couché sur le dos et j'aime pas te coucher sur le dos, j'arrive pas à dormir. Voilà. Bon, on a les carottes aussi à éplucher. Allez, petite carotte. Ça rend aimable. Il y en a qui sont pas aimables, vous mangez des carottes et vous verrez, hein. Tu as envie d'éplucher les carottes. Je vais en mettre un peu au congélateur parce que quand on fait des souffles et machin comme ça, je vais pas tout foutre en l'air. Hein. Alors ça, c'est un poisson abondant, au niveau du porte-monnaie. Et en plus, les enfants aiment bien parce que ça vous légère. Autrement, ça va? Vous allez être en week-end? Vous allez faire quoi? Comme tous les vendredis, tous les week-ends, vous allez vous promener? Ça y est, il y a la moitié que les vacances, c'est fini, c'est les autres. Oh, ça passe vite, hein, vos vacances, hein. Mais on a des vacances, t'as pas le droit d'aller où tu veux, alors. Un filet de citron. Et je fais des pauses entre de belles feuilles de prélise. Un zeste de citron vert. Bon, je vais bien me mettre un petit peu debout, ça me fait moins mal. Oh, bah, vous savez, moi, je me suis occupé, hein. J'ai trié toutes mes photos, moi. Parce que les gosses, ils m'avaient piqué toutes mes photos, hein, puis ils m'ont tout mélangé. Voilà. 45 000 euros, alors tendez bien l'oreille et répondez correctement à la question suivante. Et on a des carottes épluchées, hein. Vous voulez me donner un coup de main? Ouais, papy, il voulait un hachis parmentier, alors je vais lui faire ça ce soir. Comme ça, mes patates sont prêtes pour faire ma purée. Moi, j'aime bien la purée naturelle. Oh, bah, je dis pas la mousseline aussi, elle est bonne aussi, hein. Mais l'autre, Vico, elle est dégueulasse, la machine, là. J'en achète fort. Ouais, ils vont dire que j'ai... Hey, c'est les réclames, hein, je vous préviens, là, la musique, hein. C'est bon, moi qui l'ai mis, hein. Parce que autrement, ils me coupent, des fois. Eh, hey, vous avez vu, j'ai mis ma ceinture. Taille fine. Oh là là, regardez la petite taille fine, comme ça. C'est toi? Laissez-moi. C'est... Après, je vais aller me promener. Mon fils m'a dit... T'as envie de te promener, moi? Je dis, bah oui, mon fils. Ah ben, je vais avec lui. Tout à l'heure. Il vient me chercher, puis on va aller se promener. Gentil, hein? C'est pas sa maman. Le matin, j'ai été faire mes commissions au Cora. On lui donne... Bah, vous savez, les cagettes qui vendent au Lidl, 1 euro, des fois, ça vaut le coup, hein. Eh. Mais carottes, je les ai achetées là, hein. 1 euro, la cagette. Regardez les belles carottes. Regardez.
Elles sont vraiment belles, hein, pas pourries, rien du tout, hein. Mais j'en ai eu plusieurs machins, bah moi je les ai plus, moi. Et ça vaut le coup, hein. Il y avait des beaux choux-fleurs, pas esquintés. J'en ai donné deux à mon fils. Il y avait des oranges que je venais d'en acheter au Cora. Bah, ça vaut le coup, hein, quand même. Eh, oh. Faut pas faire la fière cul, hein, des fois. Eh. Vous avez des trucs moins chers, faut acheter. Faut profiter, mes cocos. Hein? Bon. Oh, bah oui, tiens, j'ai pas pris mon médicament, moi, aujourd'hui. Moi, je vais le prendre, parce que après, si je vais en voiture, je serai peut-être bien mal les reins, tout ça, le dos. Enfin, c'est le bleu qui me fait mal, hein, les matos. Autrement, les côtes, non, sont pas cassées, sont pas fêlées comme moi, sont, hein, sont bien. C'est les matos que j'ai. Un machin, un bleu derrière, c'est ça qui me fait mal. Alors, quand je me couche dessus, bah, je gueule. Ah! Oh, ah! Oh Oh, faut pas trop que je gueule là parce que ça, je sens que ça vient. Voilà. On va laver, on va couper ça, on va laver ça. Eh, hey, pour faire de la soupe moulinée, tout ça, hein. Le bourguignon, carotte, on en a toujours besoin. Hein. On a toujours besoin des carottes, hein. Faut se mettre dans le cul. Hop. Le Macron. Oh, je sais même pas s'il arrive encore à bander celui-là avec sa vieille. Voilà. Encore une. Ça va bien avec les éplucheurs, hein, puis on fait économie, hein. Oh, j'ai toujours pris ça, moi. Les éplucheurs comme ça. Et des fois, il y en a qui marchent pas bien, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, après, je vais couper les bouts. Pour les petits lapins, hein. Bon, on va couper les pommes de terre. Je fais quand papy est pas là, parce que lui, il dit, maintenant, fais pas trop, hein, on n'est que deux, hein. Oh là là, alors lui, faudra rien faire à manger, un tout petit peu, et faut pas déconner quand même, hein. Eh oh, papy, hein. Oh, maman, tu m'en fais un tout petit saladier, qui me dit. Oui, ben, tu mangeras ce que je te donne. Hein? Oh, sacré papy, hein. Là, il est parti au Lidl chercher son coca. Oh, celui-là, alors, avec son coca, mon Dieu, qu'est-ce qu'il en boit, hein. Il exagère quand même, hein, c'est vraiment trop, hein. Il veut pas une semaine avec 12 litres, hein. Non, je marche sur le calendrier, moi, quand est-ce qu'il en mange, qu'il en boit. Voilà. Bon, ben, je crois que je vais vous laisser, hein. Je vais finir ça, d'accord. Et puis, à plus tard, hein. Allez, passez un bon week-end, les cocos. Bisous.